Alors, on commence? Absolument. Alors, bonjour tout le monde. J'ai peut-être pas été très, très actif dans le forum à cause de ceci. Je fais en sorte qu'il est très difficile pour moi de taper avec une seule main, mais on y arrive. On va essayer de se reprendre ce midi ou cet après-midi, dépendant où vous êtes. J'aimerais partir donc de la présentation que j'ai faite au cours de la semaine 2. Alors, je vous rappelle simplement qu'il y avait trois grandes parties. D'abord, un retour sur l'évolution dans le domaine des ressources éducatives libres, qu'on appelait au début objet d'apprentissage. Il y a eu beaucoup de développement sur tous les continents. J'ai donné des exemples de l'OpenCourseWare Consortium, qui est réparti sur tous les continents dans une quarantaine de pays, et également de GLOBE, qui est un consortium de 13 organisations qui elles-mêmes chacune regroupent un certain nombre de référentiels de ressources. Ensuite, on a dans un deuxième temps fait le lien entre les ressources éducatives libres et les cours en ligne ouverts et massifs comme celui-ci, qui nécessairement doivent regrouper des ressources éducatives libres. Si on veut que les CLOM soient ouverts, soient gratuits, soient réutilisables, aient la plus large diffusion possible, il faut que les ressources qui composent ces cours le soient également. Donc, on a développé ça dans la deuxième partie de l'exposé. Et puis, finalement, dans la troisième partie, là, on a regardé un certain nombre de défis que posent les ressources éducatives libres. D'abord, quant aux normes, standards et profils d'application. J'espère que la distinction entre les trois est très claire, dans votre esprit maintenant. Les systèmes, l'évolution des normes vers le web de données liées, vers l'utilisation des métadonnées décryptes sous forme du Resource Development Framework. C'est le nouveau standard ISO MLR, les questions de propriété intellectuelle et les questions finalement d'outils et d'environnement. Ensuite, on vous a proposé trois activités. Alors, j'aimerais peut-être savoir si certains d'entre vous ont réalisé ces activités et quelles sont les questions que vous vous posez actuellement par rapport à tout cela. Et on va engager ensemble une discussion autour de vos préoccupations, dans le fond, et de ce que vous avez appris à date dans cette deuxième semaine du cours. Il y a Pierre du Liban qui demande une première question, si vous êtes prêt, là. Oui. Il dit que nous avons vu les X-CLOM et les C-CLOM. Y a-t-il une possibilité avec l'e-learning hybride d'avoir un X-CLOM, C-CLOM ou un C-CLOM, X-CLOM dans les modèles de e-learning d'apprentissage hybride? Oui. Selon vous? Selon vous, Oui, qu'est-ce que vous en pensez? effectivement, c'est tout à fait possible. Peut-être d'autres vont différer d'avis avec moi, mais je suis de ceux qui pensent que on ne peut pas avoir, pour prendre l'expression anglaise, one size fit all. C'est pas vrai qu'une seule stratégie va couvrir tous les besoins. D'ailleurs, nous avons au Centre de recherche LICESF un projet de recherche qui vise à créer une taxonomie de CLOM. Pour nous, les X-CLOM et les C-CLOM sont deux pôles. Le premier, les X-CLOM, ben, c'est le pôle davantage axé sur l'initiative du professeur, sur la transmission des connaissances, alors que l'autre pôle est axé sur l'activité des apprenants, la production des connaissances par les apprenants, et où à ce moment-là, le professeur joue davantage un rôle de conseiller et de guide, si on veut, qui va indiquer de nouvelles orientations. Et dans le fond, un cours est généralement subdivisé en étapes, en modules, en activités,
Et on peut avoir une variété d'activités. Alors, il peut y avoir certains modules qui sont davantage transmissifs, d'autres qui sont davantage collaboratifs, qui sont davantage inspirés de l'approche Cyclone. Et généralement, ce qu'on fait, nous, à l'atelier université, dans nos cours, c'est on met des ingrédients des deux approches, parce que on ne croit pas que les apprenants, en général, puissent apprendre uniquement en écoutant un professeur faire des exposés. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette semaine, on a prévu des activités interactives, collaboratives, qui permettent d'approfondir le sujet. À ce moment-là, la présentation sert simplement à tracer une toile de fond de la problématique, si on veut, autour des ressources éducatives libres. Et puis, le travail que vous allez faire va vous permettre d'approfondir et de créer, dans le fond, vos propres connaissances de façon collaborative. On pourrait dire que ce cours-là est un hybride, déjà. Je pense que ouais. Robert qui a travaillé à la conception, va être d'accord avec moi là-dessus. On est dans un hybride ici. Justement, Gilbert, j'allais mentionner, parce que j'ai ajouté un lien, la question de Pierre nous est venue à travers du Framapad qu'on a mis à la disposition de tout le monde, et j'ai référé à un article qu'on a écrit il y a longtemps déjà dans la préparation du cours, que dans celui-ci, on se trouvait vraiment à quelque part entre le X et le C. Donc, on veut mettre à la disposition des gens déjà des contenus préalables avec des suggestions d'activités d'exploration. Et on s'efforce vraiment à chaque semaine de poser la question, qu'avons-nous oublié? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Quelles connaissances supplémentaires voulez-vous rajouter? Est-ce qu'il y a des considérations parallèles ou satellites qui peuvent se rajouter? Et je crois que de cette façon-là, l'information croît de manière organique avec les intérêts des gens et la participation. C'est vraiment ça l'objectif qui est visé. Donc, avant le début du cours, on est plus dans le X et maintenant, on s'en va plus dans le C. C'est ma façon de le voir un tout petit peu. D'ailleurs, c'est assez normal de dire on va commencer par mettre beaucoup de concepts dans le décor. On va faire une espèce de remue-ménage, mais qu'on va partager avec les étudiants. Et puis, à partir de là, eux vont prendre la main. Ils vont de plus en plus orienter le cours en fonction de leurs prérequis, de leurs intérêts, de leurs objectifs. Évidemment, tout ça est extrêmement difficile dans un cours où il y a plusieurs centaines de participants. Alors, je ne sais pas si on a plusieurs centaines de participants à date dans ce cours, mais il y a 900 quelques personnes là, qui se sont inscrites et elles sont pas nécessairement toutes là en même temps. Et ce qu'il va falloir arriver à faire, je pense, dans les clubs, c'est créer des espaces virtuels où les gens se regroupent en fonction de leur intérêt. Ça, on l'a peut-être pas prévu encore dans celui-ci, mais ça fait partie du défi pédagogique, dans le fond. Vous avez une classe de 1000 étudiants, vous pouvez pas penser que ça va être très collaboratif, où les 1000 vont interagir entre eux, s'il n'y a pas à un moment donné dans le cours un passage à ce qu'on pourrait appeler des ateliers plus restreints, qui vont chacun avoir leur vie propre en fonction des intérêts des étudiants. Et on sait que la motivation est tellement importante en éducation. Si le cours ne se spécialise pas en fonction des intérêts des étudiants, on peut penser que il va y avoir une désaffection ou un manque d'intérêt, ou peut-être que les apprentissages vont être moins réussis que s'il y a motivation, parce que le cours s'oriente de plus en plus vers les intérêts des participants. Oui, Gilbert, d'ailleurs, une des distractions qu'on a eues un tout petit peu à venir jusqu'à maintenant, ça a été l'utilisation de la plateforme. Et comment est-ce qu'on se réunit en ligne alors qu'on a déjà des communautés dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans Google, et qu'on utilise une plateforme qui syndique les contenus? Et je répète une question ici qui nous est venue de Marie-Élisabeth Bouscarle-Amouguet, qui nous dit « Bonsoir, suivant la suggestion de M. Paquette de lundi dernier, j'ai réuni des documents pour constituer des listes de mots-clés. Le résultat compte une cinquantaine de pages.
Et elle demande comment mettre ce travail à la disposition de tous. Je te répondrais, Marie-Élisabeth, la meilleure façon, c'est de créer une entrée de blog, un article référent à tout ça, et utiliser notre mot dièse qui est clum souligné, rel, qui est bien mentionné partout dans notre site. Et automatiquement, si votre blog a été inscrit à notre cours par la page des abonnements, comme on l'a indiqué dans la première semaine, alors automatiquement, cette entrée de blog-là va apparaître dans le bulletin de nouvelles et tout le monde pourra y avoir accès de cette manière-là. Si vous n'arrivez pas à syndiquer votre blog, vous n'avez qu'à nous écrire sur la page soutien. Et on se fera un plaisir de vous aider avec ça. Maintenant, c'est intéressant cette question. Parce que l'étape suivante, ce serait justement de constituer un référentiel de ressources à partir des notes, des mots-clés que vous avez retenus, d'utiliser un logiciel de gestion de référentiel. Alors, il y en a plusieurs. Au Québec, on a développé Eureka, Paloma. On a un nouveau logiciel qui s'appelle Comet, dont j'ai parlé dans la présentation. En France, ils utilisent OriOAI. Actuellement, on a un projet avec des collègues de Tunisie, de l'Université virtuelle de Tunis et des écoles d'ingénieurs au Maroc, où ils sont en train exactement de faire ça, c'est-à-dire de repérer des ressources et d'entrer les métadonnées. Alors, dans les métadonnées, il y a les mots-clés, bien sûr, il y a la description, mais il y a aussi les auteurs, la langue, les conditions techniques d'utilisation. C'est précisément l'objet d'une norme de proposer des concepts qui sont des modes de description, si on veut, des ressources, standardisés, de sorte que lorsque vous utilisez un tel logiciel et vous respectez une norme, ben, vous entrez des métadonnées qui sont standards. Si tout le monde utilise le même standard, le même profil d'application, et à ce moment-là, on peut faire des recherches dans les différents référentiels comme si c'était un seul référentiel. Alors, le référentiel peut être chez vous sur un serveur. Moi, j'en ai un chez moi. Robert en a un à Moncton chez lui. Et puis, avec ce logiciel d'interrogation ou de fédération ou de moissonnage de ressources, on peut interroger les trois référentiels comme si c'était un seul. C'est exactement ce qu'on fait dans le projet Globe dont je parlais tantôt. Alors, il y a 890 000 ressources. Si vous allez sur globe.org, dans votre furteur, vous allez pouvoir poser une requête et derrière, il y a, je ne sais pas, peut-être au moins une quarantaine de référentiels qui fournissent des ressources. Et vous allez pouvoir les interroger comme s'ils étaient au même endroit, à travers, évidemment, le réseau des réseaux qui est l'Internet. Et on peut aussi filtrer par la langue en faisant ça. Gilbert, on peut demander en français, on peut faire des recherches avancées sur des critères. On peut filtrer par la langue, on peut filtrer par le type de ressources. Est-ce qu'on cherche des vidéos, des PowerPoint, des textes, des présentations, des documents PDF? On peut filtrer par la date aussi de réalisation de la ressource, la date d'entrée dans le référentiel, est-ce que c'est quelque chose de récent, qui a produit, où est-ce que ça a été produit, dans quelle université, dans quel collège, dans quelle institution, et beaucoup d'autres éléments également. La propriété intellectuelle doit être mentionnée également, normalement. Donc, est-ce qu'il s'agit de ressources véritablement libres ou est-ce que c'est des ressources pour lesquelles nous avons une description, mais où il faudra négocier avec les détenteurs de la propriété intellectuelle? Si vous allez sur le répertoire européen Ariadne, par exemple, vous allez trouver beaucoup de ressources libres et vous allez trouver également beaucoup de ressources où les auteurs de la ressource, les fournisseurs de la ressource, ont mis certaines conditions. Mais à ce moment-là, vous avez le loisir de les rejoindre et de discuter avec eux.
Oui, Gilbert, je voulais juste poser des questions par rapport à ça, parce que tu, justement, tu mentionnes d'utiliser des logiciels de référentiel, et je voudrais comparer qu'est-ce que je sais de ça avec ce que toi tu peux penser, comme par exemple, nous utilisions à un certain moment Fedora. Je sais que chez vous, vous avez construit Paloma. Maintenant, toi, quand tu dis un logiciel de référentiel, est-ce que tu penses à quelque chose de même? Ou tu penses que les gens pourraient utiliser un logiciel déjà installé puis aller travailler dessus? Oui, je pense que les gens peuvent obtenir, il y a plusieurs logiciels qui sont eux-mêmes des ressources libres, donc qu'on peut tout simplement installer sur son poste et utiliser. Maintenant, ça demande quand même une certaine intégration si on veut que les différents référentiels se parlent. Si on veut créer un référentiel chez soi, ben, on installe un logiciel comme ça sur le serveur, alors sur un serveur chez soi, et ce que le logiciel va vous permettre de faire, il va vous ouvrir des pages. Alors peut-être que je devrais vous en montrer un. Attendez, je vais essayer de voir si je peux partager mon écran. Quelque part, attendez, j'ai ça ici. Gilbert, je vais en profiter pendant que tu t'apprêtes à partager ton écran pour mentionner que la façon que moi je pensais qu'on pourrait fonctionner pour commencer à l'intérieur de ce cours-ci, puis j'ai écrit que ce serait peut-être un de mes objectifs personnels. Mais je me demandais s'il n'y aurait pas lieu de s'installer une base de données RDF et justement de commencer à lister les participants actifs, leur blog, leur communauté d'intérêt et toutes les ressources finalement qu'on décrit ici au départ de justement simplement une base de données plutôt que de se construire un référentiel comme tel. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Oui, j'étais en train de chercher, alors j'ai perdu une partie de ta question. Mais oui, l'idée de s'installer un tel logiciel et de le partager, je pense que ce serait extrêmement fécond. Et les gens pourraient s'exercer à indexer justement des ressources, ce qu'on appelle indexer des ressources, c'est-à-dire entrer les métadonnées à travers le logiciel pour créer le référentiel qui est une base de données décrivant les propriétés des ressources. Alors, attendez, j'ai... J'ai ici... je vais essayer de partager mon écran. Hein. Partage d'écran, Hélène, je me souviens plus tout d'un coup, c'est... Le petit bouton vert à gauche, en le, bas du chat. Voilà, le troisième nom, voilà. Oui, c'est ce que j'ai fait, là. Partager l'écran, attendez, là, on me donne... Est-ce que ça marchait pour une seconde? On voyait ton écran? Est-ce qu'on le voit, oui? On le voyait tout à l'heure. Oui, il me semble. Hein? Oui, oui. Peut-être juste refaire ce que vous avez tout à l'heure. Ah, démarrer le partage d'écran, c'est ça. J'avais oublié de peser sur un bouton. Là, vous devez le voir probablement. Oui, moi je le vois. Robert? Oui. Allez. D'accord. Donc, ici, vous avez... on est dans le logiciel Paloma Web, qui est un des logiciels qu'on a développé, qui présente le répertoire de ressources d'enseignement et d'apprentissage du réseau de l'Université du Québec. Alors, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec les collègues. Et dans le fond, il faut ici s'authentifier là, pour devenir membre. Maintenant, parmi les... je ne sais pas si ça va fonctionner.
Alors, mettons que je fais une recherche simple, mais il y a d'autres outils de recherche, mais ici, c'est simplement par mot-clé. Là, je vais taper le mot chimie. Et là, vous avez le résultat de la recherche qui arrive. Alors, vous voyez que on a le rôle des fourmis sur le marché mondial du carbone, des guides thématiques. On indique d'où vient la ressource. Ici, c'est le siège social de l'Université du Québec. La plupart des ressources. Maintenant, il y a d'autres. Ici, il y en a une de la télé-université, vous voyez. Et lorsqu'on clique sur la ressource, ça fait un certain temps que j'ai pas. On peut consulter les droits. Alors, par exemple, on va vous dire, vous voyez, c'est une licence Creative Commons qui suppose qu'il n'y a pas d'utilisation commerciale. Tel auteur doit être mentionné, réutilisation à l'identique, etc. Et donc, il n'y a pas de coût d'impliquer dans la ressource. Cette ressource-là, elle est véritablement libre. Maintenant, on peut regarder uniquement la banque de Canal Savoir et faire la même recherche. Et là, vous voyez, dans cette banque-là, ben là, j'ai pas de recherche, j'ai pas de résultat. Ce qu'on vous montre là, c'est une partie des fonctionnalités d'un logiciel de gestion de ressources, qui est la partie utilisateur. Vous êtes un utilisateur, vous voulez trouver des ressources, on vous donne un outil de recherche. Ça peut être de la recherche par mot-clé, ça peut être de la recherche selon les propriétés de la ressource, la langue, le type de média, etc., etc. Et ça peut être également d'autres critères. Et on va vous permettre aussi des recherches selon des classifications, par exemple. La classification du oui, je cherche des recherches, des ressources dans telle partie de la chimie ou de la physique ou de la gestion, et vous allez pouvoir obtenir des résultats. Alors, si je coche partout, je devrais obtenir normalement un peu plus de ressources. Il y en a 5, 12, 14 qui viennent de s'afficher. On a trouvé 14 éléments. Alors ça, c'est une ancienne banque là, que j'ai pris, mais bon, maintenant, pour en arriver là, il faut décrire chacune des ressources, qu'on appelle l'indexation. Et là, ce n'est pas cette interface-là qu'on va pouvoir utiliser. Donc, il faudrait que je vous affiche l'interface d'entrée de données. Mais essentiellement, ça se présente un peu comme un logiciel de base de données. Et donc, un logiciel dans lequel vous prenez votre ressource et vous décrivez, vous faites une description, vous décrivez les mots-clés, vous entrez les auteurs, vous entrez chacune des... vous renseignez, dans le fond, chacun des éléments d'une norme. Oui, ce qu'il faut dire par rapport à tout ça, Gilbert, c'est que dans un certain sens, on offre une formation aux gens pour faire ça, presque une formation de libraire, oui, pour être sûr qu'on utilise, par exemple... les vocabulaires contrôlés dans certains cas, pour être sûr qu'on comprend bien c'est quoi le sens des différents types d'auteurs ou des différents types de titres, n'est-ce pas? Donc, il y a une certaine formation pour travailler là-dedans déjà au départ. Oui, effectivement, on vient de faire l'exercice avec nos amis marocains et exactement, on leur a donné une formation de 2 jours avec l'un des logiciels qui était dans ce cas-ci le logiciel français qui s'appelle Orioi. Et à partir de là, cependant, ça dépend beaucoup de l'ampleur du projet. Hein. Vous pouvez être en train de faire un référentiel de ressources pour un programme particulier de votre institution. Et à ce moment-là, vous n'allez peut-être pas mettre autant de personnel en jeu. Si vous êtes en train de faire un référentiel où vous voulez référencer 1000, 2000, 3000 ressources, ben là, ça vaut la peine de séparer les tâches et d'avoir effectivement un bibliothécaire qui va aider. Maintenant, il ne s'agit pas nécessairement d'un référencement aussi exigeant que dans une bibliothèque. Et nous, on a fait plusieurs projets où les professeurs se débrouillent très bien, très rapidement,
à décrire leurs ressources. Et il faut dire qu'on n'est pas obligé de renseigner toutes les propriétés non plus. On peut se contenter de référencer les principales propriétés. Il y avait peut-être une question qui se rapportait. Les ressources dont on parle, les banques de ressources, sont plutôt orientées à la formation supérieure. Est-ce que c'est exact ou est-ce qu'il y a des référentiels ou des banques de ressources orientées premier apprentissage maternel et l'élémentaire en France, là, surtout, et école primaire en général? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des exemples? Tout à fait. Il y a un organisme en Europe, un organisme européen, mais qui est surtout animé à partir de la Belgique et qui s'appelle European SchoolNet. Alors, European SchoolNet regroupe plusieurs dizaines de milliers de ressources, c'est peut-être même plus que ça maintenant, attendez que je me rappelle, une vingtaine de pays européens. Donc, il est forcément multilingue. Ils ont fait beaucoup de travail pour faire en sorte qu'on puisse interroger la banque dans l'une des langues européennes. Et tous les référentiels qui ont été développés dans les différents pays, au primaire, à l'élémentaire et à la maternelle, peuvent être interrogés de façon fédérée, comme si c'était une seule banque. Au Québec, on a le site Carrefour Éducation, que vous pourrez aller voir, où on peut faire des recherches également, maternelle, primaire et secondaire, et vous pouvez interroger, je crois qu'ils ont plusieurs milliers de ressources également qu'ils ont intégrées là-dedans pour ces niveaux d'enseignement. Et c'est en constante évolution, là, c'est maintenu par la société GRIX qui travaille avec les commissions scolaires du Québec. Et il y en a sûrement dans d'autres pays également. Nous ici, c'est sûr qu'on parle beaucoup de l'enseignement supérieur parce que c'est notre milieu d'opération, mais je peux vous dire qu'au centre de recherche LICEF, on collabore et on est prêt à collaborer avec des organismes au niveau primaire et secondaire également. On collabore avec European SchoolNet aussi. On a fait des projets de recherche-développement avec eux également. Maintenant, ça amène une question vraiment intéressante, ça, Gilbert. Je crois qu'en semaine 3, on va rencontrer 5 différents types de répertoires d'objets d'apprentissage, dont Eureka, que tu connaissais, qui est devenu CERES au Québec. Et je sais qu'au moins un d'entre eux a un modèle différent où les gens qui soumettent des ressources n'ont pas à faire eux-mêmes la description des métadonnées, mais qu'ils ont quelqu'un à l'intérieur d'un comité qui le fait. Est-ce qu'il y a une façon d'alléger cette structure-là et de toujours conserver la qualité finalement du répertoire, ou bien est-ce que tu dirais qu'on doit finalement avoir un minimum de contrôle pour avoir un répertoire de qualité? Mais c'est certain qu'il faut un minimum de contrôle parce que je connais certains répertoires où on ne fixe aucune condition. Alors ça devient un fouillis. On y retrouve des ressources de très bonne qualité à côté de ressources de très mauvaise qualité. Et dans le fond, on retrouve les mêmes défauts qu'on veut éviter par des recherches Google, par exemple, sur le web, où on va se retrouver avec 2-3 mots-clés et 10 000 ressources qu'il faut examiner l'une après l'autre et ensuite raffiner les recherches de plus en plus avant de trouver des ressources qui font notre affaire. Ça peut très bien fonctionner dans certains cas, mais on veut éviter ce genre de fourre-tout et de soucis minimal pour la qualité. Donc, ça implique d'abord, l'utilisation de normes et de profils d'application, de façon à ce que les référentiels puissent être interopérables, puissent être interrogés par d'autres que ceux qui les ont conçus. Il faut se donner un processus qualité. Alors, là-dessus, je vous invite à aller visiter
le projet que nous avons réalisé justement avec des partenaires de Globe comme Merlot, Ariadne et Edna en Australie, et qui décrit un processus de gestion d'un référentiel de ressources, dans lequel il y a plusieurs recommandations pour assurer la qualité du référentiel. Un élément central, c'est de se donner une politique éditoriale. C'est comme pour une revue. Vous voulez publier une revue, ben vous allez émettre des directives aux auteurs qui vont vous envoyer des articles en leur précisant que vous êtes intéressé à des articles de tel thème, sous tel format, avec telle condition de qualité. On va même vous donner un gabarit de présentation de la ressource. Je pense qu'un référentiel de qualité doit se donner une telle politique éditoriale. Et à ce moment-là, on va y décrire le genre de ressources et les conditions qu'on pose aux auteurs pour que les ressources soient intégrées dans le référentiel. Ça, c'est au niveau des ressources elles-mêmes. Ensuite, au niveau du référencement, la qualité du référencement dépend du respect d'un profil d'application. Alors, le profil d'application, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre une norme comme le Learning Object Metadata ou le ISO-MLR, qui est la nouvelle norme, et il va vous indiquer que telle ou telle propriété de la ressource doit être absolument référencée, que pour telle propriété, par exemple, si vous êtes en France ou si vous êtes au Québec ou si vous êtes dans un autre pays, les niveaux d'enseignement ne sont pas les mêmes. Donc, on va vous dire référencer le niveau d'enseignement auquel la ressource s'adresse. C'est pas le même système d'apprentissage, c'est pas le même système d'éducation en France, en Europe ou ailleurs. Donc, la façon dont le niveau d'enseignement va être décrit, ça va être par une liste. Alors, au Québec, ça va être maternelle, primaire, secondaire, collégial, enseignement collégial, enseignement universitaire, et ainsi de suite. Ailleurs, le système d'éducation est subdivisé différemment. Donc, le profil d'application tient compte de ces différences-là. Maintenant, là, ça pose un problème quand vous allez faire des recherches. Alors, si vous demandez des recherches utilisables au niveau des cégeps, il n'y a qu'au Québec qu'il y a des cégeps, il n'y en a pas en France. Donc, il faut être capable d'avoir des ponts entre les systèmes d'éducation. Et c'est la raison pour laquelle ISO-MLR a été développé, c'est qu'on peut beaucoup plus facilement, on peut le faire avec le Learning Object Metadata aussi, mais on peut faire des ponts entre les profils d'application, de façon à ce que si vous faites une recherche puis vous dites « donnez-moi des recherches au niveau cégep », le logiciel va savoir qu'en France, ça veut dire la terminale et peut-être une première année universitaire, alors que dans un autre pays, ça veut dire autre chose, et il va vous ramener des ressources en fonction de cette correspondance entre les systèmes d'éducation. Alors, ce qui vaut pour les systèmes d'éducation, ça vaut également pour d'autres propriétés des ressources. Donc, c'est important d'avoir un bon logiciel de référencement qui est capable de passer d'un profil d'application à l'autre lorsque les gens vont faire des recherches, vont utiliser le logiciel pour faire des recherches dans une banque de ressources fédérées qui provient de plusieurs institutions et de plusieurs pays. Gilbert, est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de référentiels, on parle beaucoup de description des ressources, etc., et d'outils, mais on ne spécifie pas vraiment des outils. Si je te posais la question spécifiquement, est-ce qu'un outil comme l'outil de logiciel de référentiel libre ORIOAI, est-ce que c'est un outil qui, quand tu dis un bon référentiel ou bien un bon outil de description des métadonnées, est-ce qu'on retrouve tout ça là-dedans? Ou par exemple, est-ce qu'on retrouve tout ça dans Fedora? Plus particulièrement, qu'est-ce qui serait des bons outils pour la langue française en termes de référentiel? Bien, voilà. D'abord, il faut distinguer. Fedora, c'est davantage un logiciel de gestion des données.
données relationnelles, mais données en Resource Description Frameworks, qui permettent de faire un peu de web sémantique, de web de données liées. Donc, c'est une bonne base. Nous, on l'a utilisé en partie pour le nouveau logiciel Comet, dont j'ai parlé dans la présentation, qui est orienté vers la nouvelle norme ISO-MLR. Pourquoi on a utilisé Fedora? Mais Fedora ne nous donnait pas un outil de référencement, ne nous donnait pas un outil de moissonnage adapté à nos besoins, ne permettait pas de faire les ponts entre différents profils d'application. Donc, il a fallu construire par-dessus différentes ressources. Je dirais que dans l'état actuel des choses, si on cherche des logiciels de référencement en langue française, Ori OAI est un excellent logiciel, extrêmement élaboré, très complet, mais qui date un peu, en ce sens qu'il n'est pas fondé sur la norme ISO-MLR et sur le Resource Development Framework, ce qui fait en sorte que ça demeure relativement compliqué de faire le pont entre les différents profils d'application d'une institution à l'autre, d'un pays à l'autre. Et ceci est extrêmement fondamental parce que quand on veut faire des recherches en regroupant les descriptions de ressources qui proviennent de différentes institutions, de différents pays, ce qu'on appelle l'interopérabilité, qui est une condition essentielle de réutilisation des ressources, ben, on va se trouver avec beaucoup de travail informatique à faire derrière pour assurer que tout ça va bien rouler. Fedora, tel quel, tout seul, ne permet pas de le faire non plus. Ça prend un logiciel de référencement de données, de base de référentiel qui opère par-dessus et qui soit facile d'utilisation aussi. La convivialité est importante là-dedans. Et je pense que ce que vous allez voir à la troisième semaine, ce qu'on appelle Ceres, c'est une version de Comet, le logiciel dont je parle dans ma présentation. C'est tout simplement qu'on a refait l'interface en fonction des besoins de la vitrine technologie et éducation du Québec qui travaille au niveau collégial. Et on est en train de refaire ça pour une autre institution. Et donc, c'est plus des adaptations, dans le fond, de la plateforme Comet, qui est une plateforme de gestion des référentiels de ressources qui est à date en termes des normes. Mais qui comporte peut-être moins d'outils parce qu'elle existe depuis peu de temps que Ori OAI. Mais rassurez-vous, peu importe le logiciel que vous utilisez, vous allez pouvoir construire votre banque. Si vous suivez une méthode de qualité, vous allez pouvoir construire un référentiel de qualité qui va décrire vos ressources et le mettre à la disposition d'autres personnes qui ont peut-être un autre logiciel, qui utilisent un autre logiciel de référencement de ressources et qui vont pouvoir quand même obtenir des informations sur les ressources qui sont contenues dans votre référentiel. Et là, je mentionnais tantôt le projet Quality for Reuse. La référence est www.q4r.org. Et à partir de là, vous pouvez regarder là-dedans, il y a plusieurs conseils qui sont donnés pour la mise en place d'un référentiel de ressources. Oui, je pense que la référence, elle est bien donnée à l'activité 2, Gilbert, dans notre plateforme de cours. Mm-hmm. Peut-être une question qui allait, parce que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc, en fin de compte, si on utilise le standard de métadonnées qui est le plus à jour pour décrire nos ressources, qui possiblement le MLR, le Metadata for Learning Resources. Maintenant, nous, on œuvre en langue française. Donc, est-ce qu'on est capable d'utiliser celui-là en français ou bien est-ce qu'on devrait plutôt... excuse-moi, alors vas-y, on peut l'utiliser en français, oui? Oui, on peut l'utiliser en français. Maintenant, c'est une norme qui est maintenant parrainée par ISO. Et une des préoccupations d'ISO, justement, c'est de s'écarter de l'univers anglophone. Ça va jusque quand vous lisez le code derrière, les différentes propriétés des ressources ne sont dans aucune des langues. C'est des sigles, tout simplement.
de sorte qu'il n'y a aucune langue qui est privilégiée, et de sorte que peu importe la langue que vous utilisez, vous allez pouvoir opérer dans le monde des OMLR. Cependant, je mets une réserve, il n'y a pas encore suffisamment de profils d'application. La norme est là, elle est appuyée par le principal organisme international de normes qui est ISO, mais elle est, il n'y a pas encore de profil d'application très, très élaboré. Alors, ce qu'on fait, nous, dans CERES Comet, on a fait un traducteur. Alors, vous avez une banque de ressources en LOM ou en Dublin Core, qui sont les principales normes utilisées un peu partout dans le monde. Ben, on va pouvoir moissonner vos ressources, traduire la description qui est faite en LOM et la traduire en MLR derrière la scène. Ça va être tout à fait... vous ne verrez pas la différence. De sorte, et c'est ce qu'on a fait actuellement. On a pris la banque Eureka, on a pris la banque Respel en Belgique, on a pris la banque Canal U en France, on les a moissonnés. Ils sont tous avec des profils d'application différents et ça se retrouve finalement derrière la scène, toujours dans une base de données RDF, qui fait en sorte que si vous l'interrogez, vous ne voyez pas la différence, vous allez voir des ressources arriver de Canal U, de Respel, de Eureka, un petit peu partout, en fonction de la requête que vous avez faite. Vous aviez... ça fait depuis tantôt qu'il y a une question qui se promène dans les deux forums, puis on ferait mieux de l'adresser pour ne pas négliger nos participants. Mais il y avait une question, vous aviez parlé de la formation. Et ce qui trait à l'indexation, surtout pour les bibliothécaires, comment ils peuvent s'impliquer, comment qu'ils peuvent être mis à contribution dans le processus d'indexation. Vous aviez parlé de formation, il y a des gens en ligne qui sont intéressés à savoir comment ça fonctionnait pour la formation. Oui. Bon, voilà. Écoutez, moi je pense que avec les logiciels de gestion de référentiel de ressources que nous avons maintenant, il est relativement facile et simple de faire l'indexation. Que ce soit ISO-MLR ou que ce soit le LOM avec des outils comme ORIOAI, Eureka, Paloma ou d'autres, c'est relativement facile, de sorte qu'on peut se passer de bibliothécaire. Je vais vous donner un exemple. On a entrepris il y a à peu près un an et demi de segmenter plusieurs séries télévisées de Canal Savoir au Québec, qui ont été produites par différentes universités. Alors, ce qui a été le plus long, ça a été de dégager les droits d'auteur, pas d'indexer les ressources. Sur les deux ans, là, je dirais que 75% du temps a été passé à convaincre les contentieux des universités d'accepter d'étiqueter leurs ressources en Creative Commons pour que ça devienne vraiment des ressources éducatives libres, des REL. C'est ça qui a été le plus long. Ensuite, on a passé beaucoup de temps à segmenter les vidéos pour en faire des ressources plus petites, pour qu'elles soient réutilisables. Et ça nous a donné tout près de 1000 ressources à partir de 6 séries vidéo. Alors, dans les ressources, on a l'émission complète, puis on a des segments d'émissions qui sont dans la banque. Ça a demandé beaucoup de temps. L'indexation, on a commencé avec un bibliothécaire de la télé-université qui malheureusement nous a quittés. Et là, le temps qu'il soit remplacé, nous, on avançait dans le projet, on avait des échéances. Alors, on a engagé une personne qui n'avait jamais fait ça avant. On lui a montré comment faire pendant une journée ou deux. On l'a guidée et elle nous a référencé les 900 ressources à peu près sur une période de 2 ou 3 semaines. Alors, vous voyez, c'est pas un travail si énorme que ça.
quand vous disposez d'un gestionnaire de référentiel de ressources qui vous permet de le faire. Et actuellement, là, si c'était dans les prochains 6 mois, je vous dirais, faites-le avec un logiciel qui fait du Learning Object Metadata, du LOM, et aucune difficulté, après, on va pouvoir les importer, les traduire en ISO-MLR lorsque on aura davantage d'outils. On le fait déjà dans Ceres et dans Comet. Et je sais qu'en France, il y a des projets également qui sont en train de se faire. Et ça va se répandre très, très, très rapidement, j'en suis sûr. Merci. Vous ne voyez pas le document interactif qui se produit en arrière de votre présentation, mais il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de partage qui se passe en arrière-scène. Ça fait, excellent. J'ai posé une question, mais mon micro était coupé, je parlais tout seul. Gilbert, pour terminer la troisième activité de la semaine, on vous pose la question aux gens, comment est-ce que les ressources éducatives libres d'aujourd'hui vont réussir là où les objets d'apprentissage n'ont pas vraiment réussi à répondre à la vision, la grande vision finalement humanitaire, la grande vision d'avancement de l'éducation, la grande vision d'adoption, disons, sur le continent africain ou dans les pays qui ont moins de budget d'éducation. Donc, parce que tout ce qu'on mentionne ici est excessivement compliqué, découle beaucoup aussi du travail des universités ou des organismes de recherche. Comment est-ce que ce mouvement-là, finalement, passe au point où est-ce que tu as une multiplication des ressources parce que les gens se les approprient? Oui. Ben voilà. Alors, il y a un certain nombre d'obstacles, de défis que nous avions au début du mouvement des learning objects, des objets d'apprentissage, qui demandaient d'être relevés. Et dans le fond, ces 10 dernières années ont été consacrés à les relever, justement. Ce qui fait en sorte que maintenant, on dispose de très vastes référentiels de ressources qui sont encore peu exploités parce qu'on a réussi à lever les problèmes techniques d'abord, se donner des outils, dans le fond, qui soient performants, qui soient ergonomiques aussi, facilement utilisables par à peu près n'importe qui. Regardez le temps que ça a pris pour faire en sorte qu'on ait des traitements de texte ou des logiciels de courriel facilement utilisables par tout le monde. Ça a pris des décennies avant qu'on y arrive. Alors, il ne faut pas se surprendre que ça ait pris une dizaine d'années pour qu'on arrive au point où nous en sommes actuellement. C'est sûr que quand on explique comment tout ça fonctionne, il faut comprendre comment les réseaux fonctionnent, mais les gens travaillent de plus en plus en réseau. C'était pas le cas il y a 10 ans. Les gens ne travaillaient pas en réseau. Bon, chaque poste était isolé des autres. On commençait à peine à s'envoyer des courriels. C'était extrêmement difficile. Donc, autrement dit, les objets d'apprentissage, c'était un projet de recherche. Et ça a été un projet de recherche comme ça. Il y a encore des recherches à faire là-dessus, mais pendant une dizaine d'années. L'intention demeure la même. Les ressources éducatives libres ou les objets d'apprentissage, c'est la même idée. C'est l'idée de se dire, nous allons travailler à la qualité, nous allons partager des ressources librement de façon à éviter que chaque éducateur soit obligé de réinventer la roue. Et particulièrement à l'ère des CLOM ou des MOOC où on est actuellement, il est extrêmement important, vous le voyez maintenant, d'être capable de trouver rapidement des ressources qui nous intéressent, de les partager, de les échanger, et que ces ressources-là soient libres, qu'on n'ait pas à remplir des formulaires, des demandes de partage de droits, de libération de droits et tout ça. Alors, derrière tout ça, il y a aussi un changement profond de culture. Passer de la culture de l'isolement à la culture du partage que nous permettent maintenant
les technologies Internet, ça demande un changement. Nos universités, nos institutions ne sont pas habituées à ça. Vous allez dans une université puis vous dites, voilà, on voudrait mettre en ligne vos ressources, et même des universités en ligne. On a la difficulté actuellement avec l'université virtuelle de Tunis. Ils font énormément de travail en ligne. Ils font du travail exceptionnel, extraordinaire, mais ils ont des ressources sur lesquelles il y a des droits et ils ne peuvent pas, pour un certain nombre d'entre eux, les partager librement. Ils sont rendus là, ils veulent le faire, mais ils ont un certain nombre d'obstacles à lever. De plus en plus, les nouvelles ressources que nous allons produire et mettre dans les banques vont déjà être libres de droits. Ça va déjà être réglé, ce problème-là. Et de plus en plus, il y en a de disponibles un peu partout, que ce soit via des consortiums comme celui du MIT, que ce soit via des consortiums comme Globe, ou dans celui que nous devons créer. Et là, je terminerai avec ce mot de la fin. Je pense que ce cours devrait servir à faire en sorte que nous puissions créer notre propre réseau de référentiels de ressources en langue française. Et c'est quelque chose que nous avons commencé au Québec, nous avons commencé à partager avec la France, nous avons des projets, comme je disais tantôt, en Tunisie, au Maroc, et il faut étendre le mouvement de façon à ce que nous puissions, entre francophones, partager des ressources de qualité. Et c'est encore la même impulsion qu'il y avait au début des mouvements des Learning Objects, mais pour lesquels nous avons maintenant davantage de facilité de le faire. Et peut-être, on parlait de formation tantôt, peut-être qu'après ce premier CLOM de sensibilisation aux ressources éducatives libres, ben, on pourrait en lancer un autre qui porterait davantage sur la formation technique d'utilisation des référentiels de ressources qui pourrait être un magnifique projet à mettre en route à la suite de celui-ci. Mais c'est excellent, Gilbert. Est-ce que, Hélène, est-ce qu'il y avait d'autres questions que tu voulais remonter à la surface? J'en vois pas. Je pense qu'on a presque on a adressé pas mal de choses. Il y a le Pharmapad qui se déroule. Les gens rajoutent beaucoup d'informations. Beaucoup d'interrogations. Il y a un document Google aussi qui circule. Puis il y a un autre groupe qui est actif de ce côté-là. Hey, ça n'en fait du partage. On aime bien l'idée de formation, de continuation dans ce CLOM. Là, ça fait, il y a du pain sur la planche. On peut continuer là-dedans. Ils sont excellents. Gilbert, je vais juste abuser du deux dernières minutes que tu as dit pour le mot de la fin. J'aurais peut-être une dernière question s'il n'y en a pas d'autres qui viennent du public. Mais ma question est la suivante. Est-ce que le domaine des ressources éducatives libres aurait quelque chose à apprendre des domaines, par exemple, des musées ou même de la littérature scientifique, deux autres univers qui font exactement la même chose que nous autres, en fin de compte. Hein? Si on veut visiter les galeries d'art en ligne, n'importe quel musée ou bien n'importe quelle librairie qui indexe toutes ces choses-là, c'est des mouvements parallèles qui font la même chose. Est-ce que on réinvente la roue du côté des ressources éducatives libres ou on a nos efforts qui... rejoint au niveau de la normalisation? Oui, moi je pense qu'on ne réinvente pas la roue parce que les ressources éducatives, si elles doivent être justement éducatives, ont leur particularité propre. Il y a une intention pédagogique derrière ces ressources-là. Et par contre, c'est vrai que les technologies derrière sont un petit peu semblables. Nous, c'est notre troisième logiciel là, de gestion des ressources que nous développons. Et on regarde le logiciel Comet, qui est le tout dernier, et on se dit, on pourrait aussi bien s'en servir pour gérer des ressources muséales, pour gérer une banque de documents dans une entreprise qui est répartie partout dans le monde. C'est un peu les mêmes technologies. Ce qui change, ce sont les propriétés des ressources. Ce ne sont pas les mêmes priorités.
les mêmes propriétés pour des ressources éducatives que pour des documents administratifs, par exemple, ou d'autres types de documents. Et en ce sens-là, le fait que les ressources éducatives libres s'orientent grâce à ISO-MLR vers le web de données liées fait en sorte que peu importe les référentiels de ressources, qu'elles soient éducatives ou autres, parce que le web de données liées consiste justement à lier toutes les ressources du web ensemble et permettre de les interroger ensemble, ça va nous permettre de faire en sorte qu'on va retrouver cette interaction entre des mondes qui sont, tu le soulignes à juste titre, qui sont actuellement séparés. Et c'est pour ça que nous allons dans cette direction, je pense. Elle est importante, celle de faire en sorte que la prochaine génération du web qui est en train de se construire, celle du web de données liées, va nous permettre de faire des recherches de ressources, peu importe de la façon dont elles ont été conçues initialement. Je donne un exemple tout de suite. Wikipédia, qui a été développé sur le web, n'a pas été développé spécifiquement pour l'éducation, mais c'est un outil extrêmement utile dans l'éducation. Alors, on y retrouve beaucoup de ressources qu'on voudra pouvoir réutiliser dans des cours, dans différents sujets. Et actuellement, il y a une norme ou un vocabulaire, si on veut, qui est DBpedia, qui permet de lier les données de Wikipédia avec une banque de données comme celle qu'on va retrouver dans Ceres ou dans Comet, une banque de ressources éducatives libres. Et on a un lien qui nous permet, une fois qu'on obtient une ressource, qu'on voit un mot, ben de dire, voilà, tout de suite, je m'en vais dans DBpedia pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver dans Wikipédia là-dessus. Et tout ça étant lié permet une navigation web des différentes banques de ressources qui auront été élaborées par différents groupes avec des intentions différentes, mais qui pourront être réutilisées à des fins éducatives. Je crois que ceci conclut notre session, Gilbert. Je ne saurais comment te remercier au nom de... On a au moins une trentaine de participants. Hélène, je regarde dans les deux documents les gens qui contribuent. Et je trouve qu'on a fait un très, très beau tour de la question, Gilbert, surtout au terme de toute cette expérience-là qui était accumulée au Québec, qui a été, qui est maintenant répercutée aussi un tout petit peu partout dans le monde. Je crois que ça nous lance très, très bien pour la visite de nos cinq référentiels ou nos cinq banques de ressources la semaine prochaine. Et puis, nous allons garder ouvert la possibilité d'une rencontre vendredi pour les gens qui aimeraient ça faire un retour. Ça sera plus un retour entre les participants cette fois-ci. Donc, je pense que si vous le voulez, nous ouvrirons un rendez-vous Hangout. Les 10 premiers arrivés seront sur le micro, puis peut-être que moi-même, je m'efforcerai de ne pas y être pour laisser la place à d'autres, mais qu'on pourrait vous aider à animer, si vous le voulez. Alors, restez à l'écoute pour qu'on vous annonce cela et qu'on vous demande comment est-ce que tout cela va. Je ne sais pas, Hélène, s'il y avait autre chose à rajouter, mais pour ma part, Gilbert, j'aimerais te remercier infiniment. Je trouve que c'est ta perspective est très éclairante, tes connaissances, tout cela, c'est extraordinaire, puis ça nous bénéficie beaucoup. Merci beaucoup. Mais moi, j'aimerais vous remercier également et souhaiter bonne chance aux participants pour la suite des choses. Et évidemment, dans ce genre d'opération, on fait sa propre chance, donc ça va dépendre évidemment du travail et du temps que vous allez y mettre. Et moi, je vais suivre toute l'expérience avec énormément d'intérêt parce que, comme vous l'avez deviné, c'est un sujet qui me passionne totalement. Alors, je vous remercie encore une fois. Et au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.